La prépa des INP, c'est une formation sur 2 ans qui permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs, non pas sur concours, mais sur contrôle continu. L'avantage du contrôle continu, c'est d'avoir une bonne représentativité de la valeur de l'étudiant, si on peut dire. C'est-à-dire que l'étudiant ne va pas être noté sur une épreuve à l'instant T, mais sur l'ensemble en fait, de sa valeur moyenne, ce qui est quand même plus représentatif du niveau de l'étudiant. Pour intégrer la prépa des INP, on postule sur le logiciel Parcoursup. C'est les notes de première et terminale qui vont vous permettre l'admissibilité, suivie d'une phase d'entretien qui vous permettra l'admission à la prépa des INP. La force de la prépa des INP, c'est une formation active où l'étudiant va choisir finalement l'école dans laquelle il voudra rentrer via sa formation, c'est-à-dire qu'il va sélectionner telle ou telle matière qui vont lui plaire et il va postuler ensuite sur les écoles qui sont liées à cette thématique. À la prépa des INP, vous choisissez, suivant vos 2 ans de formation, l'école qui va bien avec vos compétences et vos goûts. À la prépa des INP, le programme est généraliste étant donné la diversité des écoles à intégrer, que ce soit par exemple en mécanique, en biologie, en physique, etc., en informatique. Donc le programme doit être vaste. Mais il y a aussi des langues vivantes, du sport qui compte dans le cursus, c'est très important. Alors l'intérêt, c'est d'avoir un étudiant qui soit formé bien dans sa tête et bien dans son corps.